Cours québécois. Numéro 1. Alors, excusez-moi pour le retard, parce que là, il faisait une chaleur, mais là, c'est insupportable, quoi. J'en peux plus de cette chaleur, là. Puis on est que le 18 mai, quoi. Qu'est-ce que ça va être au mois de juillet, là, je vais me barrer à un endroit où il fait moins chaud, tiens. Par contre, peut-être pas au Québec, parce que c'est quand même vachement loin, puis avec le décalage horaire, là. Bon. Discours québécois, numéro 1. Alors, je précise que cette vidéo sera sous-titrée, parce que... pas sûr que vous allez tous comprendre ce que je vous disais en fait. Mais bon, on peut commencer. Salut, je m'appelle Maya Maha, puis je suis originaire de Val-Barrette, une petite localité près du Mont-Laurier, là, dans la région des Laurentides. Je suis venu ici pour faire une vidéo sur YouTube parce que je voulais faire un discours québécois. Parce qu'en fait, là, je suis pas québécois, mais j'adore l'accent québécois. Et en fait, j'ai jamais mis les pieds à Mont-Laurier, ni même au Québec. Mais je me suis dit que j'avais envie de parler québécois, tout simplement. Donc, let's go. En fait, moi, je suis un étudiant. Je veux travailler dans tout ce qui est les moteurs. J'adore la mécanique, puis je me suis dit que le Québec, ça pourrait être l'endroit idéal, puisque il y a de la neige l'hiver, et moi, je veux avoir de la neige. J'aime la moto, et j'aime la neige, donc j'aime les motoneiges. Et je savais qu'au Québec, il y a beaucoup plus de motoneiges qu'en France, là. Les skidoo. Parce que Skidoo, c'est une marque de motoneige, créée par Joseph Armand Bombardier à Valcourt en Estrie. Puis en vrai, je suis allé voir sur Google, c'est super joli le Québec en vrai. Il y a toute une liste d'endroits que j'aimerais bien voir. La chute Montmorency. Je suis allé voir des photos sur Google, là c'est... mais c'est magnifique là. Valcourt, le village d'origine de Joseph Armand Bombardier, ça m'attire bien là. C'est le Joseph Armand, celui qui a créé les motoneiges skidoo, le maudit skidoo. Mont-Laurier puis ses environs, là. Je pense que ça doit être assez nice et c'est pourquoi je me suis situé vers Val-Barrette, pas loin de Mont-Laurier. La région de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça a l'air vraiment paumé vu depuis la France. Mais ça me tenterait bien, là. C'est à plus de 200 km de la ville de Québec et à 460 km de Montréal. Mais je pense qu'il y a, doit y avoir plein d'endroits sympas, là. Mont-Tremblant. Mont-Tremblant, c'est une station de ski qui est très populaire au Québec, à seulement 875 mètres d'altitude, parce qu'au Québec, il y a de la neige jusqu'à la mer. Alors qu'en France, faut aller à 1500 mètres d'altitude pour avoir de la neige. C'est dommage, franchement. Les sacres québécois. J'avoue que ça me fait mourir de rire parce que... faut pas en abuser, par contre, mais quand même, c'est vraiment très drôle quand tu n'entends parler d'une hostie de calice de tabarnak de motoneige qui veut pas démarrer. Et bien sûr, le chant sacré de Laurent Paquin, là, si vous connaissez. Ah, oh, c'est de crise de tabarnak, c'est de calice de vierge. C'est de calice de vierge. C'est drôle. Ce qui fait qu'en France, tu peux les utiliser sans te faire remarquer, là. Parce que c'est... dirais pas des insultes, quoi. La motoneige. Ah, c'est vrai que j'adore la motoneige. Et si je vais au Québec,
C'est bien sûr pour faire de la motoneige et voir les magnifiques paysages qu'il y a là-bas. Mais je pense que c'est peu probable puisque même si ça fait rêver le Québec, je pense pas que j'y aille un jour à cause de la distance, bien sûr, de l'avion, puis du coût. C'est vrai que c'est assez dispendieux quand même. Puis surtout du décalage horaire, là, parce que je pars de Paris, il est 16 h, par exemple. J'arrive à Québec, il est 10 h. Ouais, bien sûr, faut compter le temps de trajet de l'avion, soit à peu près 8 h. Soit, en fait, j'arrive au Québec, il est 18 h, en fait. Mais à Paris, il est déjà minuit, quoi. C'est un bordel. Mais rassurez-vous, si j'y vais pas au Québec à un vrai, j'irai forcément virtuellement. Alors, tire-toi une bûche, mon frère. Je t'invite à manger de la poutine puis des pancakes au sirop d'érable. Puis après, nous irons rider de la motoneige. À bientôt, les amis. Et puis, s'il y a parmi vous des Québécois, mais aussi des Pyrénéens, puis des Savoyards, puis des Jurassiens, qui veulent m'aider à protéger les moteurs et la nature, vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne. Merci. Merci à Denise, Carl et Isaac, our cooking, et Geneviève, ma prof de français. Merci à tous et vive le Québec. Et vive la motoneige.